pourrait que j'ai quelque chose. Elle s'appelle Anna Delvey, ou Anna Sorokin, personne ne sait vraiment. C'est une héritière méga richissime allemande ou une fille complètement fauchée. Les chefs d'accusation, tout est dingue. Anna Sorokin s'est rendue coupable de crimes en col blanc en prétendant faire partie de l'élite de la ville afin de subtiliser des millions de dollars. Bonjour Anna. J'ai juste quelques questions. Moi j'ai une question. Que portez-vous? Vous avez l'air pauvre. Elle représente tout ce qui va mal en Amérique en ce moment. Il paraît que je suis célèbre. On me dépeint auprès du public comme une arnaqueuse, une vulgaire criminelle. Mais ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas mon histoire. Alors, quelle est votre histoire? Quand Anna est arrivée à New York, elle n'avait ni riches parents, ni relations. Mais il faut parfois savoir faire semblant pour y arriver. C'est là que ça devient passionnant. Anna Delvey est une vraie légende dans cet hôtel. Il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on veut, ça, je l'ai toujours su. Je suis en train de bâtir quelque chose. Ce sera un club très privé, bien plus exclusif qu'un banal salon VIP. Elle a besoin de 40 millions? Nous avons deux banques qui envisageraient de lui prêter l'argent. Putain, la vache. À un projet très spécial. Un prêt de 40 millions de dollars. Comment ce gars est tombé dans le panneau? À l'avenir, arrêtez de me voir comme tous les autres me voient. Essayez d'être moins basique, Viviane. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'hôtel le plus cher et luxueux de tout le Maroc. Je me suis rendu compte que tous les indices étaient là. Elle a mis toutes les dépenses sur mes cartes. Oh, moi, ce que tu me dois, s'il te plaît. Pourquoi tu es aussi mélodramatique? L'image, la fortune, le pouvoir. Tout le monde doit arnaquer quelqu'un. Chaque jour dans ce monde, il y a des hommes qui font mille fois pire que tout ce qu'on m'accuse d'avoir fait. Anna a volé Objet. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qui tu es! Anna Delvey est un chef-d'œuvre ambulant, pétasse, et qu'ils aillent tous se faire...